Je préfère rester droit dans mes boots en cuir noir. Bonjour Michael. Bonjour. Penses-tu que les vêtements que tu portes aujourd'hui te transforment ou te révèlent ? Je pense que les vêtements que je porte aujourd'hui me révèlent parce que ce sont une extension de ma personnalité, donc ils ne me transforment pas. Est-ce qu'il y a un vêtement que tu as vu un jour sur un homme ou sur une femme que tu aurais désiré porter ? Oui, même si je m'habille très souvent en noir, quand j'ai vu le costume de John Lennon sur la pochette d'Abbey Road, le complet blanc, j'avoue que j'ai croché, j'ai toujours eu envie de l'avoir, j'avoue. Coco Chanel disait « la mode se démode, le style jamais ». Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est vrai, parce que la mode ne fait que bouger, ça vient, ça passe, alors que le style, lui, il est ancré, il ne bouge pas, et c'est la seule chose qui permet de traverser le temps sans vieillir. Est-ce qu'il y a une faute de goût que tu aimes faire ? Oui, j'adore fermer mon perfecto, même si je sais qu'on ne doit pas le faire normalement. Ma mère n'arrête pas de me dire « ne ferme pas ton perfecto », j'adore le fermer. Quel personnage de cinéma, pour toi, a été le mieux habillé ? Je considère presque les musiciens comme des personnages de cinéma, donc j'ai envie de dire, je pourrais dire Mick Jagger. Cinéma, je dirais Sean Connery dans James Bond. Dans la vie, préfères-tu mettre des gants, tailler un costard ou rester droit dans tes bottes ? Je préfère rester droit dans mes boots en cuir noir. À bientôt. À bientôt.